Morgan, allez, Idan, il est sur aujourd'hui le Nishmat Marklouf Micha Ben Masuda, Rivka, Bat Levi Israq, Avram Chayin Robert Ben Fondjin Mazal, Dovin Yudit et Nissan Ben Mafred. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Misha, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions le Sechet Midot par Idan et Mishtabet. Ushne Pishpershin, Hayu, Lo, Le Shahar Gadol, Echad Batsafon, Vechad Badarom, Shabadarom, Lo Nichnas Boadam, Me Olam, Ve Alav, Hume Forash, Alede Echazkel, Shenemar, Vayomer, Elai, Hashem, השער הזה סגור יהיה לא ייפתח ואיש לא יבוא בו כי השם אלוקי ישראל בא בו והיה סגור נטל את המפתח ופתח את הפשפש ונכנס לאתה ומאתה להיכל רבי יהודה אומר בתוך אוביו של כותל היה מהלך עד שנמצא עומד בין שני השערים פתח את החיצונות מבפנים ואת הפנימיות מבחוץ. On continue à décrire le Echal, qu'on en fait, le Oulam et le Echal, on a commencé dans la dernière Mishnah du Perek Gimel, on a commencé à décrire le Oulam, on a parlé de sa porte, on a parlé de son ouverture, on a parlé des chaînes qui étaient suspendues dans le ciel, dans la Mishnah, qui étaient suspendues dans le plafond, et dans la Mishnah précédente, on a commencé à parler de la porte du Echal, d'accord, la double porte. Vous vous rappelez qu'il y avait une marloquette, on va en reparler dans cette Mishnah, donc c'est pour ça que je le rappelle. Il y avait une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Comment les deux paires de portes s'ouvraient? D'après Chachamim, on ouvrait les deux dans la direction de l'intérieur. En fait, on avait deux portes qui recouvraient toute la largeur du mur. Il y avait 6 amotes, l'équivalent de 3 mètres d'épaisseur de mur. Donc, on ouvrait, il y avait une porte qui recouvrait toute l'épaisseur du mur, et l'autre porte qui venait se rabattre contre le mur, contre les deux murs, ici, du Echal. D'après Chachamim. Tandis que d'après Rabbi Yehuda, on avait parlé qu'il y avait des portes un peu en accordéon qui s'ouvraient en fait en deux, et du coup, toutes les portes se retrouvaient dans l'épaisseur de l'ouverture. D'accord? Elles étaient repliées sur elles-mêmes, et donc, ça recouvrait tout. Et maintenant, on va avoir besoin de tout ça dans la suite de la Mishnah. Maintenant, on va découvrir tout d'abord une Mishnah qu'on a déjà étudiée presque intégralement, à 80% en fait, dans Maseret Tamid, Perek Gimel Mishnah Zayin. Dans Maseret Tamid, là-bas, on décrivait le rituel du Beit HaMikdash et on apprenait comment les Kohanim entraient pour ouvrir le Echal. Du coup, dans cette Mishnah, on va reparler exactement de tout ça. Ushne Pishpeshin Ayulo le Shahar Agadol. Et à la grande porte du Echal, il y avait deux Pishpeshin, deux petits couloirs à côté, deux petites portes annexes. On explique un Pishpesh littéralement, c'est comme ça, quand on a une grande porte et qu'il y a une petite porte, c'est fréquent dans les grandes synagogues anciennes, antiques, où il y a une grande porte en bois par exemple, et dans la grande porte, il y a une petite porte. Pour pouvoir entrer constamment, c'est pas la peine à chaque fois d'ouvrir la très grande porte, et ils ont prévu une deuxième petite porte comme ça. Ça s'appelle un pishpesh. Et donc, la Mishnah m'enseigne, tu sais, il y avait aussi, en plus de la grande porte qu'on a décrit hier, eh bien, il y avait Ushne Pishpeshin Ayulo le Shahar Agadol. Il y avait deux pishpeshin, il y avait deux petits couloirs de portes annexes qui avaient à cette grande porte. Echad Batsafon, l'un était dans le nord, dans la partie nord, un au nord, puisque par là on a le nord, et un au sud. Là, on va vers l'ouest tout le temps. Shebadarom, et la Mishnah m'enseigne, Shebadarom lo nichnas boadam meolam. Sache que dans ce pishpesh là, on va expliquer ensuite que le but du pishpesh c'est de pouvoir ouvrir le Echal. Mais pour le moment, on ne rentre pas dans ces détails, c'est pas notre problème tellement. La Mishnah me dit uniquement que, sache que celui qui était Badarom, celui qui était au sud, personne n'est jamais entré. Lo nichnas boadam meolam. Personne n'est jamais entré par cette porte. Ve'alavu meforash alede yecheskel. Sur ce pishpesh là, ce petit couloir ou porte annexe, il est explicité dans le livre de Yechezkel, qui nous décrit le Beit HaMikdash le troisième Beit HaMikdash, et on apprend malgré tout dans la chôte par rapport au deuxième. Et le pasouk me dit comme ça, Shenemar, comme il me dit le verset, Yomer Elai Hashem, Hashem me dit, Asharazé Sagouriye, cette porte-là, eh bien, elle sera fermée, Sagour, fermée, Loipateach, elle ne sera jamais ouverte. Veish lo yavovo, et aucun homme ne viendra jamais dans cette porte. Pourquoi? Qu'Hachem Eloke Israël bat vaut. Car cette porte, elle est kivyachol, si on a le droit de parler comme ça, elle est réservée pour qu'Hachem entre lui-même dans le Beit HaMikdash, dans le Echal.
Vaya Sagour, c'est pour ça qu'il fallait laisser fermer. Qui vient Chol, pour pouvoir imaginer qu'Hachem il est présent dans le Beth Amikdash, alors on laisse une porte fermée et que, bien évidemment, la Shrina d'Hachem, elle peut entrer sans aucune limite. Et donc, c'était pour représenter qu'il y avait ici une porte avec une entrée très particulière. C'était la Shrina qui résidait dans le Beth Amikdash. D'accord? La Névoa elle-même, la prophétie de Yechezkel, elle parle du Bayit Shlishi, du troisième Beth Amikdash, mais malgré tout, il y avait des choses qui étaient prises pour le deuxième Beth Amikdash. Natal eta maftea chopatachata pishpesh. Alors maintenant, la Mishnah continue à m'enseigner. Sache que lorsqu'il fallait le matin ouvrir les portes du Héral, comme ce qu'on apprenait dans la Sechet Tamid, alors il prenait Natal eta maftea, il prenait la clé. Et il commençait d'abord par ouvrir le pichpèche, le petit couloir. Vous vous rappelez, on a dit qu'on a 6 amas. Regardez, je vous explique, c'est très simple. D'après Chachamim, regardez dans le croquis, vous allez voir. Pour pouvoir ouvrir cette porte, elle ne pouvait s'ouvrir que de l'intérieur. Pour pouvoir l'ouvrir, il fallait entrer par le pichpèche. On arrivait dans une première salle qui était un tas. On évoquera dans la prochaine Mishnayot, c'est quoi? Un tas. Et de là, on passait, on continuait maintenant dans un deuxième couloir. Pour pouvoir ouvrir le Echal. Il y avait là-bas une première porte, avait fait une porte sur ma clé, il fallait l'ouvrir, et puis après, de l'intérieur du Echal, on ouvrait la porte du Echal, puis après on partait ouvrir les portes externes. Et alors, la Mishnah enseigne comme ça. Venirnas le'ata. Venatal et amaftach, il prenait la clé, parce qu'il avait besoin d'une clé ensuite pour ouvrir la deuxième porte. Ou patach et apishpesh, il commençait par ouvrir le pishpesh. Premièrement. Venirnas le'ata. Il entrait ensuite dans le tas. Le tas, c'est cette salle qui était dedans, en fait, dans l'épaisseur du Beth Amikdash, du Echal. Et au me'ata, la Echal, et à partir du tas, il pouvait entrer dans le Echal, il y avait un deuxième couloir. D'accord? Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Yehuda, non, c'était pas comme ça. Vous vous rappelez, sur le Rabbi Yehuda, on a dit que les portes ne s'ouvraient pas du Echal à l'intérieur, mais tout se passait dans l'épaisseur du mur. Ben, le principe, il est très simple. C'est-à-dire que pour Rabbi Yehuda, il n'y avait pas un couloir qui nous menait jusqu'au tas, et puis après du tas jusqu'au Echal, non. Il y avait juste un même couloir qui rentrait directement et qui prenait à gauche, qui bifurquait à gauche, qui me faisait que je me retrouvais dans cet espace entre les deux portes du Echal. Et comme ça, je pouvais les ouvrir en fait de là-bas. Donc, Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda enseigne, Betor Ovio Shel Kotel Hayam Me'aleich, il marchait dans l'épaisseur du mur, c'est-à-dire, c'est pas qu'il transperçait le mur, mais il marchait dans l'épaisseur du mur, il y a un couloir creusé. Ad shenimtsa omed ben shnei hasharim, jusqu'à qu'il arrivait à être entre les deux portes, la porte interne du Echal et la porte externe du Echal. D'accord? Il se retrouve en fait dans ce petit espace ici. Et quoi? Ad shenimtsa omed betor shnei hasharim, jusqu'à qu'il se retrouve entre les deux portes dans l'épaisseur. Et il donc commençait par ouvrir les chitzonot, les portes externes, mi bifnim, depuis l'intérieur. La pnimiyot mibachus et les portes internes du Echal, il les ouvrait depuis l'extérieur du Echal. C'est-à-dire, c'est normal. Si je me retrouve, il y a une salle A et une salle B et une salle annexe. Et puis moi, je me retrouve entre les deux en train d'ouvrir la porte de A et la porte de B. Imaginez que B, c'est la salle externe. Donc en fait, j'ouvre la salle A vers l'intérieur du Echal et la porte de la salle B, je l'ouvre vers l'extérieur puisque je m'éloigne plus. C'est exactement ce qu'il y a écrit ici. Donc, on peut tachetachit son note mi bifnim, il ouvrait les portes externes depuis l'intérieur, et les portes internes, il les ouvrait depuis l'extérieur du Echal. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une pleine note sacrée colto, c'est là.